هم للطريق مشاعل الأنوار، هم للنسيم عبيره الفراري، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعل الأنوار، هم للنسيم عبيره الفراري، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار. صفق الميم، أعين أخاك ظالما أو مظلوما. إيه ton frère qui soit juste ou injuste, comment tu parles de la meilleure des façons, tu le fais arrêter. La lâcheté n'est pas une caractéristique du croyant, je ne dis pas du musulman. La lâcheté, qui est le contraire du courage, n'est pas une caractéristique du croyant. Que tu sois en face d'un kafir ou en face d'un musulman, tu dois agir avec équité. L'Aouzaï, rahimahullah. Voilà, c'est une histoire qui me plaît énormément, je vais la résumer. Vous savez, l'Aouzaï, Abdullah ibn Ali Safah, c'était un des khalifas de Banu al-Abbas qui a égorgé, Banu Umayya. Regardez, il arrive comme ça, il les a égorgés, il a pris le pouvoir, il a pris l'argent, et il dit aux musulmans, il les rassemble. Hal hunaka man yunkiru alay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait? Regardez, il tue, il vole. Les musulmans lui disent, non, il n'y a personne. Comme aujourd'hui en France. Pareil. J'étais au tribunal en 2009, par rapport à l'histoire d'Alif toujours, j'étais en train de crier en face du juge. Moi je crie, je suis devant la barre de l'accusé, ça l'accusé quand on l'amène à la barre. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Mais eux, quand ils te parlent du procureur, ah ouais, ouais madame, ouais monsieur, ah ouais, ouais madame, ils te baissent la tête, ils te donnent, rajoutez une autre ici. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, on avait la Bible de côté. J'étais en train de crier. Un frère à côté de moi, il me dit, « Wa wallah, je crie. Wa, je crie. » Il me dit, « Scout, scout. » C'est avec ça que tu vas vaincre. Regardez le paradoxe. Juste la parenthèse. Je reviens à Ozaï. Vous savez, le juge, c'était une femme, une non-musulmane. Vous savez ce qu'elle a fait? Il a jugé pour la non-fermeture de l'école. Et il a dit, je ne peux pas fermer l'école, il y a des filles qui sont voilées. Scout, scout, je ferme pas. Je vous laisse le commentaire. L'Aouzaï, rahimahullah, ils ont dit, sauf un, tout le monde est d'accord avec ce que tu as fait, on est tous d'accord, ça veut dire que tu voles, égorges, tous on est, sauf un. Mais c'est qui ce un? L'Aouzaï, rahimahullah. Innama yakhsha Allah. من عباده العلماء فكيفين لو بلوس الله سكي والله سلي سابو والله ستكخاء الله سبحانه وتعالى كنت يسرى en face de ton frère du gendarme du procureur de Sarkozy de Manuel Valls والله que tu n'auras pas peur et c'est ça qu'on veut enseigner à ces enfants là والله quand je me mets en face d'eux je leur dis n'aie pas peur de moi je suis peut-être ton directeur mais n'aie pas peur de moi quand tu dois me dire la vérité en face dis-le tu le dis Vas-y, n'aie pas peur. Tu le dis avec respect, mais n'aie pas peur parce que nous, on a enseigné, et Rachid l'a souligné, on nous a inculqué, il faut que tu aies peur. Le respect, oui, mais pas la peur. C'est une umma qui a peur. Les musulmans en France ont peur. Ce qu'on aimerait faire, ce que les musulmans n'aient pas peur, et le fait de ne pas avoir peur fera peur à ces gens qui aujourd'hui disent, vous allez le voir tout à l'heure, qui disent, mais on ne veut pas que des écoles musulmanes ouvrent alors que c'est notre droit. Rachid l'a rappelé, mais ça fait des années qu'il le rappelle. À chaque fois qu'il vient, il le rappelle. La loi te le permet, mais vous n'allez pas vous mettre en face. L'ennemi ne peut se mettre en face. L'ennemi ne peut t'arrêter que quand toi tu es arrêtable. Tu ne peux être colonisé que quand tu es colonisable. Tu ne peux être maltraité que quand tu es maltraitable. C'est-à-dire que Allah dit « Wa laoula daf'u Allah innasa ba'dahum bi ba'd »
Si Allah n'a pas voulu que la terre, que les gens s'opposent les uns aux autres, la terre serait pervertie. Non, on dit avec fermeté, je vais m'opposer à ton injustice parce que tu es un injuste, que je vais te dire, t'arrêtes et tu respectes mes droits parce que je ne fais que demander mon droit. Al-Awza'i, rahimahullah, il lui a dit, vous m'appelez Al-Awza'i. Al-Awza'i va 3 jours plus tard. 3 jours, il ne va pas de suite. C'est un valet. Il va, c'était Aïmer al-Mu'minin. Et lui, il n'apprend pas à sortir parce que comme le Khawarij, lui, il obéit aux responsables. Qu'est-ce qu'il fait? Il va effectivement 3 jours plus tard, c'est qu'il a mis en colère Abdullah ibn al-Saffah. On l'appelait Saffah. Un criminel, un tueur, un égorgeur. Il va, il a passé le salam à tout le monde, pas directement à lui. Et bien, Abdullah ibn al-Saffah, il dit Al-Awza'i, c'est toi Al-Awza'i? C'est moi Al-Awza'i. Lui dit, est-ce que ma hal ma fa'alna hal huwa jihad? Amribat, est-ce que ce qu'on a fait au Banu Umayya, est-ce un jihad? Il lui a dit, Qala Rasulullah, pas comme des ignorants qui disent la démocratie ici, et Qala Rasulullah là-bas, comme j'ai pu l'entendre dans une mosquée, pas l'ignorance. Qala Rasulullah, هذه هي بضاعتنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى chacun les actes ne se valent que par leur intention et chaque humain a ce qu'il a par rapport à son intention. Il lui dit أنت ونيتك, toi et ton intention. Et il s'est énervé, il l'a gonflé, ثم انتفخ, et il s'est calmé. L'Awza'i, est-ce qu'il plaît dans l'histoire? Il a dit je suis parti pour mourir, je m'attendais à qu'il me tue parce que quand il est rentré, il y avait les soldats autour de lui. Ils avaient leurs mains sur leurs épées. Ils attendaient juste le signe et l'ordre de sa part pour qu'ils dégainent leur épée. Ils lui coupent la tête. Lui, il dit وَتَعْتَعْتُ رَأْسِ. Il lève la tête. J'ai descendu mes habits pour que l'épée ne soit pas accrochée à mes habits. Et j'ai fait ça. Il s'est énervé. Il lui pose une deuxième question. Il leur dit le sang qu'on a fait couler, est-ce halal ou haram? Il dit, il ne t'est permis de tuer un musulman que dans 3 cas. Il lui cite les 3 cas. Il lui dit, si tu donnes un de ces 2 cas, tayyib. Sinon, al-qasas, sayuqtasu minka yawm al-qiyamah. Tu vas payer l'amende et te rendras compte le jour du jugement. Et il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il veut? Ils veulent comme les gens aujourd'hui. Ils veulent que tu ailles dans leur sens. Ils veulent que tu les caresses dans le sens du poil. Al-haq, al-haq, la vérité, tu l'as dit. Qu'il al-haq, walau kana, murra, au kama qala, alayhi salatu wa salam. Al-awza'i dit, wata'ta'tu ra'si, j'ai levé ma tête, j'ai baissé mes habits pour que l'épée arrive directement et me coupe la tête. Il s'est énervé. 3e question. Il s'est calmé. Il lui dit, est-ce que l'argent qu'on leur a pris, est-ce halal ou haram? Il dit que si cet argent-là est halal pour eux, il est haram pour toi. Si c'est haram pour eux, c'est haram pour toi. Si c'est halal pour eux, tu n'as pas le droit de spolier. Si c'est haram, tu dois prendre cet argent et le rendre au musulman qui leur a été enlevé, volé. Il s'est énervé, il s'est gonflé. Et il s'est dit, les gens ont levé leurs habits pour que le sang n'éclabousse pas leurs habits. Et j'ai descendu mes habits pour que l'épée arrive directement. Al-Awza'i, rahimahullah. Allah marham ulama'ana, ya rabbal alamin. Wallahi, des gens de l'haq qui ne cherchaient pas de dunya. Il lui dit, est-ce que tu veux travailler en tant que juge chez nous? Il a vu qu'il n'a pas peur. Il a vu qu'il n'avait pas peur. Tu veux travailler juge en tant que juge? Vous savez, à l'époque, être juge, comme Abu Yusuf, rahimahullah, le qadi Abu Yusuf, c'était l'un des élèves d'Abu Hanifa. Le qadi, à cette époque, on t'élève comme ça, à cette époque-là. On te met au-dessus, au plus haut sommet de l'État, on te met. Vous savez ce qu'il leur a dit? Eh oui, Allah, je l'ai vu, je sais que je suis en retard. Allah ralb. Comme l'a dit Bouteflika, il ne faut pas écrire Allah Akbar sur le drapeau, il faut écrire Allah ralb. Ça, c'est Bouteflika. Acha Bouteflika. Non. Où est-ce qu'on vient? Et il revient, tu travailles juste chez nous? Il lui dit non. Non, non, personne ne me l'impose, tu ne l'imposeras pas. Il s'est mis en colère. Vas-y, pars, il lui dit. L'Awza'i n'a pas cru ce qui s'est passé. Il ne m'a pas tué. L'Awza'i part, quelqu'un le suit, il l'appelle. L'Awza'i! Il s'était dit, il a oublié de me tuer, il l'a envoyé pour qu'il me tue. Il arrive, il lui donne de l'argent. L'Awza'i, il a pris, il a distribué. Cher, et pourquoi j'raconte l'histoire? L'Awza'i est mort quelques temps plus tard. Saffah lui-même, had saffah. Il passe devant sa tombe, il dit aux gens, je ne craignais sur cette terre personne. Personne, sauf celui qui est là.
Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il avait l'argent, il avait les gens à ses pieds. Et il dit, « Kuntu arahu kal asad. » Je le voyais comme un lion. Qui a mis cette peur dans le cœur de cet injuste? Qui ça? Allah. Aïn Allah. Aïn Allah.